Dédé a dit, bonjour Dani. Nico. Bah même je peux pas te répondre au tour suivant. C'était juste pour je peux gagner. Rien, d'accord.
Pour info, ça se passe du côté de Lagash pour l'instant, la petite bataille. Y en a un peu partout, hein, de toute façon. Enfin, ça fait un peu combat d'infirme. Je tire sur son assassin, ça lui fait rien. Il tire sur ma légion, ça lui fait rien. Et je crains qu'il ait d'autres trucs. Vu que Zek a une trentaine de vies qui doit à chaque fois produire des unités militaires, je te raconte pas le bordel. Vous avez le total dans les scores. Ah oui, on l'a bien vu là. C'est abusé ce total, hein. C'est de l'espionnage gratuit, c'est n'importe quoi. De quoi? Le fait qu'on ait toutes les stats, Ah les oui. scores. Ouais. Il y a une limite, Nicolas, à la production d'unités à la chaîne. À la fin de la maintenance, ça Oui. fait quand même quelque chose, quoi. Bah heureusement. Y a un truc que je trouve vraiment difficile en multijoueur, c'est quand tu découvres un truc civique là, il te demande pas, il te rappelle pas de changer les polices, enfin les dogmes. Et quand tu le rates, ben t'es bon pour te refarcir les 10 tours avant la suivante. C'est quoi la technologie pour faire des fermes sur des collines? J'ai oublié. C'est un dogme ou une technologie d'ailleurs? Je sais pas, on serait dans les autres civs, je t'aurais dit que c'était l'irrigation. Tu parles de mon citron? Non, non. Du fait de pouvoir faire une ferme sur une colline. Parce que de base, tu peux faire une mine, mais je sais qu'il y a une technologie pour faire une ferme. Et je sais plus où c'est. Alors. Regarder dans l'arbre technologique. Non. Imprimerie, non. Château. C'est pas ça.
D'ailleurs, Rêve m'a demandé, donc je lui ai dit qu'on faisait jusqu'au 30 et on recommençait une nouvelle partie début septembre. D'accord. Ok. Ah ouais, putain, d'accord. Attends, en un tour, c'est con que Hippo, du coup, joue pas en même temps que moi. Non, c'est con que tu joues pas en même temps que moi. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, je joue avec Rogue, ensuite c'est Zek, et ensuite c'est toi. Ah.
Bah, charcutex et une couille molle. Voilà tout ce que j'ai à dire sur cet homme. C'est con, leur système serait bien fait, Ronin, pour avoir des tours de 9 minutes. Ouais, mais du coup, c'est pas trop. Tu peux anticiper, comme tu dis. J'ai de réfléchir à ce que je fais, pourquoi je le fais. Mmh. Puis lire le texte, c'est des merveilles, des machins.
Ah, Nico. Oui. Je vois tes premières unités arriver. Oui, oui, bah j'essaie d'aller ailleurs, mais le terrain en fait est tellement merdique avec entre Zek et moi. Ah bah ça ressemble à du marais quoi. Ouais, c'est du marais, c'est de la forêt. Ça fait une dizaine de tours que je tire sur ses spadassins. Ouais, ça lui fait gagner de l'X. Ça lui fait gagner de l'XP, ça me fait gagner de l'XP. Tout le monde est content. Ils viennent de passer. Dédé a dit bonjour le chat. Ok. Hippo, t'es au courant que Zek est en train de construire un campement oui, à je sais. Cache, juste à côté de tes légionnaires. Je sais. Mais si à chaque fois que je me pointe là, je me fais shooter par ces arbalétriques. Ah ouais, non, mais c'est. Ah, tu parles de Tipeee là. Je fais la ligne Maginot, je sais comment ça a fini pour la France en 40, mais. Je fais la ligne Tortue avec des légions. Quelques archers, des arbitres. Bon, l'imagino, je peux bien le rappeler, c'est toi qui es venu ici. Hein. Bah oui, parce que c'est mon espace naturel. Ouais. C'est toi qui est venu casser la gueule à ce pauvre Tutti. Ouais. Là, il est gonflé.
C'est toi l'envahisseur, je te rappelle. Il envahit ton voisin, pas toi. Jamais pactisé avec l'ennemi. Intervention de sauver les Canadiens. Parce que c'est bizarre que la guerre avec à peu près tout le monde. Même le Canada, ça je veux dire. Alors, cité-état. Bon, j'espère que t'as une bonne armée, hein. Idéalement, si t'as des Space Marines, parce qu'on y a du Tzekien à tuer. Hein. Pas faux. Il y a du Zergling, du Zekling. On a de la chance, il n'a que 3 minutes pour jouer à chaque fois. Oui. Après, il joue Wargame. Hein. Ah, mais Zek, en fait, Civilization, c'est pas un jeu de gestion, c'est un Wargame. C'est un RTS. alors que moi, c'est l'inverse. Moi, c'est un jeu de, c'est un jeu de gestion. Ça va, Zach, je crois que t'as toute la carte en guerre contre toi sauf Ragnar, c'est ça? Non, et Cuxité, t'as un corps qui me tape pas trop dessus. Sinon,